en train de se lever comme il faut là. Et tu vois le lac blanc ? 21 tonnes de marchandises à élitreuiller, le minimum nécessaire pour tenir de juin à septembre au refuge. Une partition bien réglée pour Valérie, gardienne de l'Arpon depuis 19 ans. Il y a les poules, les lapins, 1, 2, 3, 4, vous en faites un cinquième ? Si c'est 4, 10, 14, 19, 29 rotations. À 2300 mètres d'altitude, le refuge de l'Arpon vient d'être agrandi avec 500 mètres carrés de surface supplémentaire pour une capacité d'accueil inchangée. 92 places, un confort attendu surtout par le personnel. Alors évidemment, ça change par rapport à avant, parce qu'avant on était boudinés assises dans deux petites chambres qui n'avaient même pas cette taille-là. Là, j'en avais parlé avec l'architecte, avec le parc, et ça me semblait important de loger correctement le gardien, mais aussi l'équipe qui travaille, parce que voilà, on commence à 4h du mat, il faut faire la sieste, donc ça veut dire une pièce isolée, où on n'entend pas, où on peut récupérer, ça c'est important, quoi. De nombreux refuges comme celui-ci sont rénovés dans les Alpes. Pour le parc national de la Vanoise, gestionnaire du site, ces travaux étaient nécessaires. Les dortoirs sont désormais segmentés, ne dépassant pas 12 couchettes. Les performances énergétiques sont améliorées avec par exemple un poêle à granules et de l'énergie hydroélectrique. La rénovation était plutôt essentielle, ça faisait des années qu'on l'attendait. C'est un refuge qui a plus de 40 ans, où on avait très peu de surface. En même temps, pour les usagers, les randonneurs, on est obligé de faire deux services. Et puis surtout pour la gardienne et ses aides. Dans ces palettes, pour l'essentiel, des denrées alimentaires pour les 5000 randonneurs qui passeront cet été, de la vaisselle, des draps, mais pas seulement. On va ramener les animaux pour les mettre au poulailler. Les anciens bâtiments servent d'entrepôt pour les conserves, les produits frais, et de logement pour Cécile, la lapine de Valérie. Non, les animaux, les poules, c'est parce qu'on aime bien. Et puis parce qu'à l'occasion, on a quelques œufs. Et le lapin, c'est parce qu'on l'a en bas à la maison, donc on n'allait pas le laisser tout seul. Nous, quand on vient ici, finalement, on vient vivre à la montagne, donc on emmène tout ce qu'on a. 3 millions d'euros pour la rénovation de ce refuge de 750 mètres carrés. Il ne reste plus que l'aménagement autour des bâtiments. Là, on avait un talus qui était très raide et qui n'était pas du tout soutenu. Donc là, on fait ce qu'on appelle un soutènement en pierre sèche. Voilà, dans la technique qu'on a appris depuis plusieurs années au parc. C'est un beau challenge, quoi, d'arriver à faire tous les acheminements et à faire la finition d'un refuge. Et voilà, ça nous passionne. Après 18 mois de travaux, le refuge de l'Arpon reste une étape incontournable de la traversée des Alpes et des glaciers de la Vanoise. Valérie et son équipe accueillent désormais les alpinistes jusqu'au 20 septembre prochain. C'est que du gaz ? Non, c'est que du gaz.